suivez ça alors. Bonne journée à vous aussi, merci beaucoup pour votre appel. Au revoir. Jours après, enfin même plusieurs semaines après, voilà ce que ça donne, c'est trop beau. Et on a choisi des carreaux noirs mat parce que comme ça, ça va pas trop ressortir et ça va renforcer le style qu'on veut donner. Et tu as une coiffure magnifique, mon chéri. Et le mat, je pense, c'est beaucoup moins salissant. Bah moi, évidemment, je peux pas faire de travaux, donc je me suis fait un petit bureau là, comme ça j'ai vu sur tout le chantier. La cuisine ici, aujourd'hui, mon père et Hugo vont me poser les carreaux. Et moi je suis à ma petite station, j'ai pris mon ordi pour faire du montage, des trucs. Ça me frustre d'être sur le banc de touche, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je vais au moins pouvoir ne rien louper, voir ce qui se passe et puis vous faire des petits morceaux de film. C'est toujours ça, faut voir le positif. Ma belle peinture. Les boules. Ça te fait plaisir? De non, détruire le travail de ta femme. Ah. Oh. Je vais se mettre la baguette là-haut. Ouais. Est-ce que ça rentre? Faudrait pas que je regarde que c'est pas parfait. Mais... C'est ça, si le problème c'est juste Charlotte, nous après. N'importe quoi. Bon, avec notre conscience, on est en paix en fait. Donc là le bois est brut, il faut que je passe du vernis spécial cuisine sur le plan de travail. Ça avance tellement. J'ai oublié de vous montrer plein de trucs, il y a plein de trucs qui ont avancé pendant que... Bah quand je venais pas ici, ou alors je venais mais j'emmenais pas mon appareil. On a mis la hotte, les carreaux noirs, je sais même plus où vous étiez. Plein de travail. En bas, on est en train de mettre les plinthes. Bon, on va les peindre en blanc. Là, les portes de placard, c'est un sketch. On a un magnifique lave-vaisselle offert par ma belle-mère. Et je pense que cette cuisine, elle va être super cool. Je m'y vois déjà trop. C'est la première fois que je viens toute seule à la maison. Ça me fait trop bizarre. Il n'y a personne. Il n'y a pas mes parents. Il n'y a pas Hugo. Ah, ça fait trop bizarre. Je suis trop contente. Et j'ai un petit truc à faire. Il faut que je continue à faire le vernis, en fait, sur la cuisine. Parce qu'on ne pourra pas emménager tant que la cuisine n'est pas terminée. Il y a encore d'autres trucs à finir avant qu'on puisse emménager, mais surtout il faut qu'on reçoive nos meubles. Plus j'avance, plus ça avance quoi. Ah ça, il faut que je ramène ça pour ma mère, je vais le faire maintenant, je vais mettre ça dans ma voiture maintenant, sinon je vais oublier. Je suis trop contente d'être là. Bon, j'ai mis un gros pull quand même parce qu'il fait super froid. C'est la première fois, je crois, que je vous reparle de face à face depuis ma pause YouTube. Enfin là, je suis en plein dans ma pause YouTube, mais depuis qu'elle est commencée, je vous ai filmé des petits trucs ici et là, mais je crois pas que je vous ai parlé en face à face. J'aurais plein de choses à vous dire, mais je pense que je ferai une vidéo... spécial retour où je vous raconterai plein de trucs que j'aurais posté avant peut-être le vlog que vous êtes en train de regarder, j'en sais rien. Ouais, j'ai plein de trucs à vous dire. Et là je disais à Hugo hier que ça faisait très longtemps que j'avais pas passé du temps toute seule et que je commençais à en souffrir en fait, de pas avoir de temps vraiment genre seule, même si c'est pour faire des choses qui avancent, c'est pas pour
prendre du bon temps entre guillemets, je vais pas aller à la plage faire du shopping et tout, je pourrais, mais en ce moment en fait on est vraiment mais sous l'eau avec Hugo, on a 1000 choses à faire, notre entreprise qui commence et tout, enfin là c'est vraiment à un moment, un carrefour de notre vie où il faut qu'on soit hyper présent sur tous les fronts. On garde toujours notre bébé, il a pas encore commencé la crèche à 100% et c'est très très prenant aussi. Je suis soit en train de travailler, soit, enfin, mais j'ai tout le temps mon bébé avec moi. Quand j'ai pas mon bébé, c'est que je suis avec Hugo, qu'on court partout pour faire des trucs, faire des courses pour l'entreprise. Là je vais faire une corvée entre guillemets parce que je viens faire des travaux et tout, mais au moins j'ai un peu de temps seul et j'en ai vraiment besoin en fait, de me poser dans ma tête, de poser mon esprit un petit peu, d'être dans le silence. Normalement quand je suis toute seule et que je fais des travaux, des trucs comme ça, je mets de la musique ou je mets des vidéos YouTube, ce genre de choses. Là je vais rien mettre du tout, écoutez le silence, c'est de ça dont j'ai besoin vraiment. J'espère que ça va bien chez vous, j'ai trop hâte de revenir sur YouTube. Au moment où je vous parle là, bah évidemment je suis toujours en pause, donc ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai pas posté de vidéo et ça me manque tellement, ça me manque. On est au mois de juillet, je sais pas quand je vais revenir, j'aimerais bien revenir fin août. Enfin, quand on sera dans la maison, en tout cas, c'est sûr que je reviendrai pas. Tant qu'on habite chez mes parents, on n'est jamais seul. Je peux pas filmer de vidéo, puis de toute façon, enfin, j'en ai pas envie. C'est pas le bon moment et tout, comme je vous l'ai expliqué. Mais j'ai hâte de revenir. J'ai encore beaucoup de choses à faire par rapport à ma santé. J'ai des trucs que j'ai envie de prendre en main dans ma santé, que j'ai envie de revoir, que tout ça. Je sais pas encore exactement où j'en suis à l'heure actuelle, puisque j'attends toujours des nouvelles d'experts à Paris et tout ça. Mais j'ai confiance, ça va aller. De toute façon, c'est comme ça, c'est la vie. Là, je vous parais sûrement un peu peut-être triste ou quoi. C'est pas le cas. Je suis vraiment juste très fatiguée, on a, comme je vous dis, on a beaucoup de choses en ce moment. Ma santé, c'est vrai que c'est en plus un frein dans le moment de ma vie où j'ai le plus besoin d'avoir de l'énergie, j'ai l'impression, enfin tout est un peu mal tombé. Donc c'est surtout ça là, c'est surtout de la fatigue physique et tout qui fait que je suis un peu peut-être molle et tout ça, mais vous inquiétez pas, j'ai la même fougue à l'intérieur et la même joie de vivre. C'est juste que j'ai pas trop le temps en ce moment de laisser s'exprimer ce côté-là de ma personnalité. Il faut que je sois la Charlie hyper concentrée, focus, que je me donne à fond dans certaines choses. Et voilà, c'est une période compliquée. Sans parler de tout ce qui se passe en France en ce moment. Au moment où je vous parle, Emmanuel Macron nous a appris il y a quelques jours maintenant qu'il va y avoir un pass sanitaire et voilà, et que si on n'est pas vacciné, on sera puni. Et tout ça, tout ça. Je crois que je vais même pas rentrer là-dedans. Sur ma chaîne, il y a déjà assez d'informations sur internet, des informations fiables, que ce soit des gens qui sont contre, des gens qui sont pour, des médecins, des trucs, voilà, il y a de tout. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, vaccinés ou pas, que c'est une ambiance très très pesante et qu'on s'en serait bien passé. Et je vous avouerai que j'ai une certaine lassitude là, ces dernières semaines aussi, je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis pas hyper bubbly, joyeuse et tout, c'est que ce contexte là me pèse en fait, je commence à en avoir vraiment marre. Je pensais que ça me passait un peu au-dessus, le fait d'avoir été en Australie longtemps, ben, on a évité aussi beaucoup de choses par rapport au Covid et tout, mais là c'est que ça, que ça, que ça, j'allume Instagram, tout le monde parle de ça. Peut-être moi y compris de temps en temps, j'essaye de pas trop le faire. Il y a des petites bribes de choses, des fois sous le ton de l'humour, voilà, c'est humain. J'ai envie de partager aussi un petit peu mon point de vue de temps en temps, même si je partage peut-être un centième de mon point de vue, si vous saviez. Mais ça m'énerve en fait, cette guéguerre entre les gens. Cette histoire, ça fait que nous diviser les uns les autres. Et ça, je trouve ça nul et nul. Mais trop trop nul, moi j'en veux à personne à part le gouvernement honnêtement. Chacun fait les choix qu'il fait, mais là ce contexte est vraiment très très pesant. Voilà. On n'a pas l'impression d'être dans un monde libre et joyeux et normal. On a l'impression d'être sur une autre planète, dans une autre dimension, je sais pas. Enfin bref, voilà. Je vais m'arrêter là, peut-être qu'un jour j'aurai l'envie, le courage ou quoi, de faire tout un discours sur ce que je pense, même si tout le monde s'en fout hein, de ce que je pense, on est d'accord, mais peut-être pour échanger avec certaines d'entre vous et vous donner peut-être un autre point de vue, ou j'en sais rien, toujours... sans jugement, parce que très honnêtement, même moi, à l'intérieur de moi-même, je n'ai aucun jugement envers personne, vraiment, que vous décidiez d'être vacciné ou non, j'ai aucun jugement, chacun a des bonnes raisons certainement de faire le choix qu'il fait, et il faut respecter ça, et c'est tout, il n'y a rien à dire là-dessus, on n'a rien à dire aux autres, faites ci, faites pas ça, et c'est ça en fait qui me gêne aussi beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est mais faites ça, mais vaccinez-vous bordel, ou les gens qui disent mais faites pas ça, bande de moutons, mais vos gueules en fait, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, et donc je vais attaquer la cuisine, j'aurais voulu vous faire une vidéo un peu reveal, et en fait je vous ai grave spoilé je crois dans ce vlog, parce que je vous ai montré plusieurs fois... des petits bouts de vidéo, ouh je suis blanche. Et là je vais poncer mon plan de travail et faire une autre couche de vernis, je vous ai montré je crois l'autre jour j'en ai fait, et là je vais refaire. Il fait beau, et les vitres sont sales, et quand je pense à tout le ménage qu'il va falloir faire dans cette maison avant que notre conteneur arrive, d'ailleurs j'ai eu des nouvelles, si tout se passe bien dans 2 semaines il devrait être là, donc il faut qu'on avance à fond là les 2 prochaines semaines et qu'ensuite on puisse tout... Mais je suis si bon, je vais pas me mettre devant la fenêtre peut-être.
Bon, j'étais nulle là. Il faut qu'on vide tout, qu'on nettoie tout à fond pour pouvoir accueillir nos affaires, parce qu'il est hors de question de mettre... Mon canapé, par exemple, il ira ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a la place? Et est-ce que je vais pas le pourrir par hasard? Avec toute la sciure, la poussière, enfin c'est horrible. Donc on a 2 semaines pour avancer à fond, sauf que mon père n'est pas dispo ces 2 prochaines semaines. Il doit aider ma sœur avec son entreprise pour des trucs importants. Il va y être du matin au soir. D'ailleurs, j'ai aussi envie d'aller l'aider, même si physiquement je suis un peu limitée, mais je vais essayer d'aller l'aider aussi. Donc ça fait que je sais pas comment on va faire. Je vous tiens au courant. En tout cas, j'ai trop hâte de revenir sur YouTube, les gars. Là, je suis en train de vous parler, mais cette vidéo, je sais que je vais pas la poster avant plusieurs semaines peut-être. J'ai tellement hâte de revenir. J'espère que vous serez là. J'espère que vous allez être patient et pas que vous allez m'avoir oublié, genre total. Ce serait pas grave. J'imagine que vous avez une vie bien plus intéressante que ce qui peut se passer sur YouTube. Mais en tout cas, moi, vous me manquez, sachez-le. Et en fait, je dois passer un papier ponce comme ça, hyper fin. Parce que quand tu passes du vernis sur une surface de bois, ça fait ressortir toutes les aspérités du bois. Il y a plein de petits pics, là, c'est hyper rugueux, ça griffe quand je touche. Donc, il faut que je re-aplanisse, que je dépoussière, que je remette une couche de vernis, et ainsi de suite. Je vais refaire encore une petite couche de ponçage, revernis, reponçage, revernis, jusqu'à ce que ce soit hyper bien verni. Parce que c'est quand même un plan de travail, il va avoir de l'humidité, de la bouffe, il ne faut pas que ça tâche le bois. J'espère qu'on a fait le bon choix en prenant ça. On n'était pas forcément d'accord, Hugo et moi, sur quoi prendre, et on a plutôt penché du côté d'Hugo, même si ça me plaisait aussi, bien sûr. Mais le bois, j'ai peur que ce soit compliqué dans ce temps. Donc je fais ça, je me dépêche, après il faut que je redescende, qu'on mange, et on a encore plein de trucs à faire en bas, donc... La vie est très très speed en ce moment, je sais pas pour vous. Je vois les gens, là c'est l'été, ils partent en vacances, ils vont à la plage, d'autres pires en éventail. Ben moi je vais vous dire que c'est pas ça pour nous. Hein. C'est pas trop notre ambiance. Et quand t'as pas de bac propre pour verser ton vernis, tu prends quoi? Une assiette en plastique. C'est vraiment du bricolage. Je vais mélanger avec ce côté-là mon vernis. Et puis c'est bon. Bah là, j'ai poncé. C'est tout doux. Maintenant, je vais faire une autre couche de vernis. J'ai hâte que ce soit fini, les gars. Je sais pas comment... J'ai envie de vous faire une petite vidéo que sur les pièces avant-après. C'est une vidéo qui va durer 5 minutes, mais je me dis que ça pourrait être sympa. Ah oui, parce que du coup, je profite de ma pause pour réfléchir un peu aussi à la tournure de ma chaîne YouTube et tout. Et j'ai envie d'oser plus faire des trucs, même qui sont courts, j'en ai marre de faire que des vidéos d'une heure, je vous jure, ça me fatigue d'avance. Donc je me dis, je pourrais aussi faire des petites vidéos comme ça, courtes, à droite à gauche, ça me ferait bien plaisir. Et bah ce petit moment toute seule m'a fait le plus grand bien, cette petite vue qui ne gâche rien, on est d'accord? Ah ouais, ça m'a fait trop du bien, c'était bien cool. Et maintenant, je rentre retrouver mes hommes. Ça me fait sourire de dire ça, tellement cliché. Mes petits amants. Et je vais faire la sieste cet après-midi si je peux, parce que je suis éclate max. Ça fait beaucoup de route, juste pour une petite couche de vernis, mais bon. Au moins c'est fait. Tellement beau ce petit chemin. Il va avoir du sable dans l'oreille. Hugo, j'espère que tu m'aimes pour deux, parce que moi je me hais. Devine ce que j'ai oublié, le vernis. Ah merde, je t'aime pour 3. Que pour 3? Je t'aime pour 18. C'est tout? Laissez-moi vous conter une merveilleuse petite histoire qui s'appelle La vie de Charlie Bull. En ce moment, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Notre vie est très compliquée en ce moment. C'est un petit cauchemar. Il y a beaucoup de choses positives, donc c'est cool. Mais on est surmené, on n'arrête pas en fait depuis qu'on est ici. En fait moi, oh là, je sens que je vais avoir envie de vous parler pendant des heures. Je vais, je pense, couper ce vlog et en commencer un autre, parce que sinon... J'en suis venue à détester
les vlogs longs sur ma chaîne. J'adore ça chez mes copines. Jenny, Elodie, Danisha, tout ça. J'aime bien regarder des vlogs longs, même si en ce moment, j'arrive pas à les regarder d'un trait. Faut que je les regarde en plusieurs fois. Mais moi, je supporte plus de faire ça. Ça me bloque de vlogger. Des fois, je me dis, oh, j'ai pas assez de contenu, pas assez de contenu. Mais si. En fait, maintenant, je vais plus m'écouter. Je sais que j'ai fait plein de points comme ça au cours de ma vie youtubeuse où je vous ai dit ça. Puis à chaque fois, je me laisse influencer par les gens qui disent, ah, j'adore tes longs vlogs, c'est mes vlogs préférés, c'est quand que tu refais un long vlog. Et s'il vous plaît, ne me dites pas ça dans les commentaires. Je sais que vous aimez les longs vlogs, mais moi, ça me freine de vlogger. Je crois que je préfère vous faire plus souvent des vlogs d'une vingtaine de minutes que de finir par faire des vlogs rares et qui soient longs. Je pense que je préfère apparaître plus souvent dans votre fil d'actualité que de faire des longs vlogs qui me découragent au montage de ouf. Donc je vais pas faire trop durer ce vlog. D'ailleurs, je sais pas depuis combien de temps je filme. Je vais conclure ici, qui dure 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je vais l'arrêter ici, ça sera très bien comme ça. Et j'en recommencerai un autre balade dès maintenant tout de suite parce que j'ai trop de choses à vous dire. Mais là, je suis fatiguée, je me suis endormie vers minuit, réveillée à 4h30, rendormie vers 6h, réveillée à 8h. Là, je suis mais éclate max. Et je me suis dit, allez, je prends mon courage à deux mains, je viens faire un peu de vernis sur le plan de travail de la cuisine et tout ça. Je viens toute seule, on devait venir à 3 et en fait trop compliqué, tout le monde est fatigué, Hugo est malade, enfin là à la maison c'est une hécatombe. Donc je suis venue toute seule, j'ai pris mon courage à deux mains alors que je suis mais épuisée. En plus je viens de me taper, mais la route de la maison de la montagne ici à chez mes parents, c'est genre 45 minutes de route et c'est pas une route tranquille, genre t'es comme ça, cheveux au vent. Au début je vous ai montré le début de la route, c'est près de la mer, mais ça dure pas du tout longtemps, ça dure 5 minutes comme ça. Et genre tu peux pas être comme ça, écouter de la musique nonchalamment, t'es obligé d'être hyper concentré parce que c'est la route de Satan. C'est une route comme ça, comme ça, comme ça, où il faut que tu repasses en première à chaque virage, enfin oh, c'est hyper dur cette route, surtout quand t'es fatigué. Et tout ça pour rien. Non mais j'ai tellement les boules. Sauf que maintenant je suis là-haut, j'ai pas envie de redescendre pour rien. Je vais au moins préparer mon plan de travail, faire du ponçage, dépoussiérer. Comme ça dès que j'arrive demain ou cet après-midi, si j'ai le courage de revenir, mais ça m'étonnerait que j'ai envie de faire 4 heures de route dans la journée, j'aurai plus qu'à passer le vernis directement parce que ce sera déjà poncé. J'ai un meuble de salle de bain à monter, je vais peut-être faire ça, et surtout du ménage à faire. Mais je vous raconte tout ça dans le vlog que je vais réouvrir tout de suite, et je vous dirai d'ailleurs les dates et tout ça, parce que normalement je vous donne pas de dates dans mes vlogs, parce que j'aime pas ça, enfin je vous en ai déjà parlé mille fois pourquoi j'aime pas donner de dates, mais généralement je publie mes vlogs un peu dans la foulée où je les ai tournés, sauf si je vous le précise. Mais là, comme c'est des vlogs qui sont tournés quand même, je pense, pas mal en avance, parce que je sais pas encore à l'heure actuelle quand est-ce que je reviens sur ma chaîne YouTube, bah, je vais vous donner des dates pour que vous puissiez vous y retrouver. La dernière fois, je vous ai donné une indication temporelle parce que Macron venait de faire son discours et tout. Et là, pour vous donner une autre idée temporelle, le préfet vient de faire son discours. Peut-être que d'ici que je poste la vidéo, il y aura eu encore d'autres discours du préfet, mais là, c'est le premier. Et on a bien les boules, je vous raconte tout ça dans le prochain vlog. J'espère que ça vous a plu, ce petit moment avec moi, même si c'était sûrement un peu brouillon, qu'il y avait des choses un peu à droite à gauche en désordre comme d'habitude. Mais là, ça va être une petite série de vlogs un peu de ce qui s'est passé pendant mon absence. C'était l'intérêt de vous faire des petits vlogs, c'était pour que vous sachiez un peu, voilà, tout ce qui s'est passé, que vous voyez un peu l'avancée des choses à la maison aussi. J'ai hâte de revenir un peu plus en temps réel et avec des vidéos un peu plus posées. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Et j'espère que vous passez un bel été, les gars, en France. Et bah, un bel hiver austral pour celles qui, comme moi, sont à La Réunion et se pèlent les miches. À bientôt! Bye!